Bonsoir à tous et bienvenue dans Arcade Perfect. Alors aujourd'hui, si vous avez suivi le drama du PC d'hier, vous savez que mon PC est en phase d'instabilité permanente. Enfin, du coup, il n'y aura pas la chronique Sega Arcade, donc j'en suis désolé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que du gameplay. Il n'y aura pas la phase un peu chronique, que je sais que beaucoup, enfin que ceux qui me suivent sur ma chaîne perso aiment ça, mais tant pis. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par un petit jeu. Alors, attention, j'ai mon layout qui est là, qui est prêt, mais il y a des jeux qui sont en format horizontal. Alors, en format vertical plutôt. Donc, vous allez voir, ça fait des choses un peu bizarres parfois. Alors, lançons le jeu déjà, ça sera bien. Tac. Hop. Voilà, il faut faire OK et c'est bon. Voilà. Donc on va commencer par un petit jeu qui s'appelle Super Kicks. Alors Super Kicks, oula, j'ai encore de la pub, merde. Oh désolé, désolé. Il doit rester à mon avis quelques pubs. Donc vous voyez que là l'habillage, il n'est pas adapté pour ça. Il faudrait que je modifie un habillage pour pouvoir afficher les jeux justement qui se jouent en vertical. Voilà, un crédit et c'est parti. Alors, Kix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu puzzle, action, un peu machin, tout ça, où il faut en fait dévoiler une image. Alors, on peut activer des bonus en, voilà, en piégeant les machins là. Là, par contre, je peux faire grande partie du chemin. Alors, si le son du jeu est trop fort, n'hésitez pas, hein, comme c'est de l'émulation, il y a souvent des différences en fait. Deux volumes entre les jeux. Hop, on va profiter. Kix, il existe justement une version érotique qui s'appelle Gals Panic. Je pense que je vous le streamerai un jour, mais uniquement en chaîne perso. Là, une heure de grande écoute, non. D'ailleurs, sur arcade, il existe énormément de jeux un peu érotiques, souvent dégueulasses. Ouf, là, ça commence à devenir un peu le bordel. Ah, je me suis fait avoir. Non, alors, effectivement, j'aurais pu streamer Gals Panic, j'avoue que. Le jeu, je l'avais à l'époque, je crois que c'était le. C'était le 2, il me semble que j'avais. J'avais la vraie PCB et tout, hein. C'est vraiment pas des conneries. Et déjà, à l'époque de YouTube, j'avais un peu honte de. De vous montrer ce jeu. Mais bon, Galspanic, on en fera, je pense, sur la chaîne perso un de ces jours, histoire de rigoler un petit peu. Il manque 3%. 3%, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3%? Ouais. Ah, là, 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 alors, moi, j'ai toujours ma borne, hein, que j'ai toujours pas déplacée. Ça m'ennuie un peu. Falloir que. Là, les beaux jours arrivent. Falloir que je me motive à la déménager, ma borne. Le problème, c'est qu'il va falloir la démonter. Ah, zut. Ok. Bon, déjà, c'est le premier game over. De toute façon, Kix, je vous rassure, on va pas jouer des heures dessus. C'est juste que je voulais vous montrer un peu ce jeu, qui est un peu inconnu. C'est le jeu le plus méconnu, de toute façon, de la sélection d'aujourd'hui. On aura du Metal Slug 3. On va reprendre pas mal de choses. Voilà. Voilà, nickel. On récupère maintenant. Et là, on est full speed. Voilà. Ah, j'ai voulu récupérer le A, mais j'y suis pas arrivé. Voilà. Voilà, nickel. Alors, pour des raisons de sécurité et pour éviter aussi que mon PC vienne à planter comme hier, j'ai affiché le chat sur un deuxième écran, sur un deuxième PC, sur le PC portable. Donc si j'ai du mal, si j'ai moins de facilité à lire le chat que d'habitude, vous savez pourquoi. Ah mais je vous ai dû créer un jour à coup de Galspanic, il n'y a aucun problème.
Mais pour le coup, je pense que c'est pas tellement une bonne éducation, ce jeu. Alors, attendez. Du coup, voilà. Hop. Voilà, faut faire comme ça. Tiens, tu disais que tu allais choper Mortal Kombat 10, que c'est toujours le cas. Oui, John. Je l'ai. Sur PS4. Mais en l'absence d'un... d'argent, il m'est impossible d'investir même 5 euros là, ce mois-ci. Pour acheter, en fait, pour prendre le PSN et pour pouvoir jouer en ligne. Mais c'est prévu hein, dans les semaines à venir. Quand la situation s'arrangera un peu. Parce que là, actuellement, j'ai 36 milliards de projets réparation qui sont en cours. J'ai un projet d'écran rétroéclairé dans une Game Boy. Un petit backlight mode des familles. Ça, je le rêve depuis des mois. Et avant-hier, j'ai... Ah d'accord, ils sont deux maintenant, Edgar, oui, j'avais pas vu. Avant-hier, en fait, j'ai réparé la Game Boy de mon enfance pour la donner à mon père. C'était pas prévu à la base que je lui donne, hein, mais... De toute façon, elle était naze, je l'ai réparée. Qu'est-ce que j'allais en faire de plus? Pas grand-chose. Ouais. Ok. Les gens en ligne ont tué l'industrie. Il n'y a pas que ça, à mon avis, qui a tué l'industrie de l'arcade, hein. Il y a, à mon avis, la PlayStation qui a tué qui a tué le marché de l'arcade, à mon avis. C'est vrai, c'était craqué à l'époque, la PlayStation. T'avais des jeux qui étaient... Tu prends un peu Tekken 2 ou Tekken 3. T'as le jeu qui est quasiment aussi beau qu'en arcade. Et en plus, t'as des tas de bonus. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à mettre 10 balles dans la machine? C'est vrai. Ok. Bon, de toute façon, Kick, c'était juste histoire de s'échauffer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre par la suite? Allez, ouais, histoire de... Hop, alors attendez, ça demande un peu de mise en place. Voilà, il faut faire comme ça et comme ça, voilà. Et là, on est bon, on peut jouer. Je pense pas que ce soit une histoire de prix qui ait tué le marché de l'arcade. C'est juste, à mon avis, que tu commençais à avoir des consoles de salon qui procuraient... La même qualité de jeu, bien sûr, t'avais pas la même sensation, parce que quand tu mets 10 balles dans une borne pour jouer à Metal Slug, t'as mis 10 francs dans la borne. Donc forcément, tu fais gaffe à ce que tu vas faire, t'as pas envie de crever, et t'as pas ce même feeling. Après, il y a énormément de choses qui ont tué... Ah, je me réserve pour le Stunfest. Okay, écoute, j'aimerais y aller cette année, hein. Franchement, j'aimerais. Mais je crois que ce soit pas dans mes prix. Hein. Pff, vraiment... X-Men versus Street Fighter, un jeu auquel j'ai énormément joué sur Saturn en import, mais sur arcade, pas tant que ça. Alors, moi j'ai un main dans le jeu, c'est, voilà, Dent de Sabre, et puis du coup on va prendre un perso un peu au pif, Zangief, je l'ai testé tout à l'heure, il a l'air un peu naze. On va prendre une Riette, allez. Alors, parlons des Neo Geo, on m'en a donné une à réparer il y a quelques semaines, je l'ai re-eu à réparer cette semaine. Parce que la première fois, j'avais pas réussi à faire grand-chose. Et j'avoue que les Neo Geo, c'est très bien. Mais c'est à la fois, en tout cas, les AES, c'est du matériel qui est hyper fragile. Voilà. Blam. Après Metal Slug, on fera le 3 en deuxième partie d'émission. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on avait fait le 1. On avait fait le X. Pour pas avoir à faire le 2, parce que le 2 et le X... Enfin, le X est une révision, en fait, du 2 qui enlève quelques bugs et aussi des problèmes de ralentissement. On va quand même faire rentrer Ryu vite fait, hein. Ouais. Pff. J'ai voulu bourrer comme je fais avec Wolverine, et résultat, ben... Le bas moyen point super, ça combotte pas. Confirmez-moi, en tout cas, vous entendez bien le son du jeu. Alors actuellement, parlons un peu arcade, parlons un peu matos. Le prix d'une borne actuellement est... Enfin, pour en tout cas une borne japonaise. Hein. On est proche des 900, voire des 1000 euros pour une borne de qualité avec un vrai écran qui tue. Moi, je sais que dans la mienne, il y a un Antarax ou Antarex, je sais plus. Faudrait que je demande à mon cousin. Mon cousin, lui, c'est le pro pour le matériel arcade. Hein. Alors, il y a un truc qui est super dans le jeu. C'est que si vous faites bourrer, en fait, en garde... Il suffit de bourrer les trois boutons et vous pouvez pousser en fait l'adversaire. Ouais. Par contre, le versus est un peu crade.
Ah oui, mais bourre pas, monsieur Chou. Ne bourre pas. N'importe quoi. Putain. Voilà. Ah ouais, mais ça bourre comme ça. Hein. D'accord. Voilà, bah je fais comme toi, l'ami. je parle pour les bornes anciennes. Enfin, les bornes anciennes. Les Astro, Blast City, les Taito, Aigrette et compagnie. Hein. J'ai constaté qu'actuellement, la cote était proche des 1000 boules. Alors que quand j'ai acheté la mienne, il y a 5 ans déjà. Hein. Wow. Voire 6. 6 ans. Waouh, c'est vrai. C'est vrai, je viens d'arrêter de fumer. Ouais, ça fait 6 piges, ouais. Voilà. Quand j'avais acheté la mienne il y a 5-6 ans, la cote c'était quasiment 700 voire 800 euros. Ah zut, pas grave, ça gratte. MVC2, je pense que c'est sorti Marvel vs Capcom 2, si c'est sorti en arcade sur CPS2, il me semble. Après, bien sûr, pour les bornes, t'as un peu tous les prix. Hein. Si tu prends les bornes HD de maintenant, tu peux monter très facilement en gamme. Effectivement, Kaikun, une Astro, il y a de ça 4-5 ans, c'était... je vais pas dire que c'était abordable, mais c'était du matériel que, bon... Si t'économisais quelques mois, voire une année, tu pouvais te permettre. Tandis que maintenant, sans même la carte, sans même les jeux... Ouais, ça passera pas. Alors, il y a un perso dans ce jeu que je déteste, c'est Cyclops. Pourquoi? Parce que c'est le perso du spam. Ah zut. Il y a un système de target combo dans le jeu, je crois. Hein. Par contre, j'essaie de le faire tout à l'heure, mais je me fais bourrer. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que dans ce jeu, on peut avoir une garde en l'air. Une garde aérienne. Ça, pour le coup, c'est cool. Par contre, ce truc-là qui est une shop spéciale... Alors, je cherche un peu l'ouverture, là, parce que c'est compliqué. Ouais, ça passera pas. Oh, si. J'avoue que j'ai piffé. Après, c'est clair que maintenant, pour acheter une borne, que ce soit les bornes européennes, enfin, qu'on a connues, nous, on a connu surtout les bornes Jetel. Si vous achetez maintenant une Jetel, va falloir avoir au moins un écran dedans, donc vous allez être sûr de sa qualité. Que l'écran soit pas marqué. Voilà, j'ai essayé de vous montrer en fait, quand vous êtes en garde et que vous faites bourrer, qu'il y a possibilité de repousser l'adversaire. Ah zut. Ah putain. Cyclops, le perso du troll dans ce jeu. Ah là, tant pis, je bourre. Hein. Ah, punaise. Ah, j'ai pas voulu faire ça, c'est bizarre. Voilà. Pour moi, c'est passé. Ah, les bandes René Pierre, ouais, c'était bien ça. Les bandes René Pierre. Après, dès l'instant où tu veux une borne, il faut se dire aussi que derrière, il faut acheter les cartes arcade, il faut rénover les joysticks, faut des fois rénover le panel. Pouah. Le mieux est encore de trouver un revendeur qui vend des bornes en fait un peu déjà rénovées. Et en acheter une qui fonctionne. Attention, parce que les bornes Jap nécessitent un gros transfo, un gros convertisseur d'alim. Oula, tout l'IA. Ah putain. Allez, je bourre, tant pis. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les cartes arcades, c'est pas éternel. Il y a très souvent des problèmes, des condensateurs qui maintenant font plus leur boulot. Entre autres, hein, parce que si avec des problèmes de condo dans les cartes arcades, ça se saurait. Ah zut. Oh, voilà, Juggernaut. Alors c'est un personne qui est impossible de mettre au sol, je crois, dans le jeu Juggernaut. Ah zut. J'ai oublié qu'il avait des sauts aussi courts, Juggernaut. Wouah.
ça passe. Voilà. Je connais encore un peu le jeu. Mais c'est vrai, maintenant, pour une borne, allez. Avec, je pense, une carte... une carte mère MVS, un slot MVS, faut compter, à mon avis, 1000-1200 €. Hein. Et c'est bien ça, le problème. C'est pour ça, quelque part, l'arcade, maintenant, il y a énormément de jeux qui sont très bien émulés, et dont, maintenant, on peut jouer en ligne, hein, via Fightcade, des trucs comme ça. Même, d'ailleurs, dans ROM Station, il y a des jeux qui sont compatibles mode en ligne. Chose qu'on pouvait pas faire avant, mais les sensations d'une borne, ça reste... ça reste inégalé, hein. Ah, Charlie Nash, un personnage qu'on va retrouver dans Street Fighter 5 apparemment, hein. Alors par contre, autant à... c'était quand? La fois passée, on avait fait Street Fighter 3 First Strike. Autant à First Strike, ça va, j'ai un petit niveau, je gère. Autant ce jeu-là, je l'ai eu à l'époque de la Saturn en import. J'ai pas rejoué depuis. Et j'avoue que c'est un peu l'enfer, hein. J'avoue que ça fait partie des jeux qui esthétiquement sont très bien, mais niveau gameplay, hein. Ah, j'ai voulu tenter la chope et c'est lui qui chope. Ah, il m'énerve à faire la tortue, lui. Ouah, ça combote, ça. Ça combote, en plus, moi, je rate ma super. Et ça fait partie des jeux dans lesquels j'ai dépensé une fortune. Non, celui-là un peu moins. Ah, zut. J'ai oublié que quand Storm, elle fait ça, c'est signe qu'elle a super. Ouais, c'est bon, ça touche. Voilà. Mais celui-là avait quand même le mérite d'avoir des persos que tu retrouvais pas après dans les autres Marvel vs Capcom ou des... les autres séries des Versus, c'est vrai, Charlie Nash, tu le retrouvais nulle part, hein, dans l'idée. Hein. Ah, il a une garde, lui, hein. Ah, tant pis. Hein. Alors, pour faire venir votre second perso, j'avais oublié, c'est gros point et gros pied en même temps. Donc, quand vous êtes en arcade, bien sûr, il n'y a pas de raccourci qui compte. Par contre, ouais, si le jeu est stylé pour un truc, c'est ses combos à rallonge. Par contre, comme il n'y a pas les raccourcis, des fois, j'ai du mal à faire les trois boutons en même temps pour la super. Et là, du coup, je fais n'importe quoi. Ah, mais non, j'ai pas voulu faire ça, mais c'est passé quand même. C'est possible de mettre une 360 dans une borne, oui, effectivement. Quel stick arcade? Un Ori Fighting Edge. Meilleur stick arcade de l'univers, d'ailleurs. Je le dis. À cause du joystick Hayabusa et les boutons au début, j'étais un peu sceptique. Mais finalement, je m'y suis habitué. Ouais, effectivement, pour foutre une Xbox, il faut un écran spécial. Mais dans beaucoup de bornes japonaises, en fait, je crois qu'il existe un Switch. Si je dis pas de bêtises. Ou alors le switch se fait automatiquement entre la norme des kilohertz. Finaise. Ah zut. Je fais launcher et derrière la super. Magnifique. Voilà, vous voyez, Magneto il m'a repoussé en fait. C'est qu'il a en fait appuyé en garde. Voilà, comme je viens de faire. Sur arrière et les trois boutons. Je crois que c'est arrière les trois boutons ou juste les trois boutons. Enfin, dans l'idée, faut que vous soyez en garde. Hein. Donc, de toute façon, comme la garde, c'est arrière, c'est pour Mortal Kombat. Mais du Mortal Kombat X, avec vous en chaîne perso, je vais en faire. Hein. Ça, je vous garantis. J'essaie de voir si bas moyen pied, c'est pas possible de faire bas moyen pied et la super avec le Tatsumaki. Ça pourrait être stylé, mais... bon, apparemment, faut vraiment bourrer. Et... du coup, je pense pas que ce soit possible. Voilà. Après, l'idéal, si vous voulez acheter une borne, c'est de mettre un système embarqué dedans, acheter les premières Xbox, vous les craquez, mettez tous les jeux de la Terre dedans. Moi, c'est ce que j'ai actuellement dans la mienne. Hein. J'ai revendu toutes mes cartes arcade il y a 4 ans.
Parce que ça prenait une place folle. Imaginez un slot MVS. Je mets pause quand même parce que ça va être apocalypse et on va en chier. Imaginez déjà la taille des cartes, des cartouches MVS. Imaginez la taille de la carte mère MVS. Mais pire, si vous avez une carte mère CPS2, vous voyez la taille des jeux. Ça fait des machins comme ça, épais comme ça, pour les stocker, c'est horrible. Mais ce qu'il y a bien maintenant avec les jeux CPS2, c'est qu'il y a moyen de les phénixer. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Le phénixage qui permet d'enlever les limitations de la fameuse pile qui vous obligeait à allumer votre jeu de temps en temps pour éviter justement que la pile se décharge et qu'elle fasse mourir le jeu. Ah oui, j'avais oublié que avec Apocalypse, on pouvait pas faire cette super là. Je crois qu'il y a une seconde phase, ce boss. Hein. Ah oui, il y a cette phase-là. Voilà, il peut vous gratter 50% de barre. S'il a envie, il est comme ça, lui. Hein. Voilà, on va faire revenir dans le sabre. Wouah! Il a pas envie de crever, hein! Ouais, tu peux faire Eradoken, j'avais oublié avec Ryu dans le jeu. Par contre, j'aurais pas dû changer. Ouais, la pile suicide, ouais, pour éviter les copies pirates. Ça, c'était bien la misère, hein! Wouah! J'avoue. Ouais, le phénix, ça, c'est bien ça, ouais. Ben, pour répondre à ta question, moi, Alex, c'est uniquement en fait avec les cartes CPS2. Que en fait, si la pile elle est pas rechargée régulièrement, elle te tue le jeu. Et en plus, et je crois que c'est une pile spéciale. C'est pas. Enfin, quand j'ai une pile spéciale, je crois que dans l'idée, c'est quand même une pile que tu peux trouver dans les magasins d'électronique. C'est pas les piles de sauvegarde qu'on a dans les jeux Pokémon sur Game Boy ou dans les jeux NES et Super NES, pour le coup. Je crois que c'est une pile ronde, je me souviens plus la référence. Je m'étais intéressé à ça de près quand j'avais une carte mère CPS2. J'avais des jeux stylés d'ailleurs sur CPS2. Hein. Ah. J'adore quand je rate, quand j'appuie sur deux boutons au lieu de trois. Ouais, il a la phase Air Tatsuma qui lui cross-up lui. À la Street 4, carrément. Ok. Wouah! En l'air, tu peux. Ah bah oui, effectivement, puisqu'il y a la air guard. Et comme en fait, ce truc-là, c'est une garde classique. Ouais, dans le dash, ça passe quand même. Et ça tue! Il y a eu un tuto sur nos lives dans l'émission Game Center. D'accord, ok, je savais pas. Mais je sais qu'apparemment, c'est très chaud au point que beaucoup de possesseurs de cartes mères. CPS2 font phénixer leur jeu. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une petite partie de X-Men vs Street Fighter. Puis après la pub, on se fera... Enfin, après la pub. La pub, c'est dans un quart d'heure, vous inquiétez pas. On se fera Dig Dug 2. Aussi, que j'avais envie de vous faire découvrir depuis un moment. On se fera du Metal Slug 3. Je crois qu'on va se faire le jeu en intégralité, hein, Metal Slug 3. Y a pas d'embrouille. Par contre, pour éviter d'avoir la fin, voilà, je vais faire F2 et revenir là. Voilà, nickel. Ok, ben je regarderai ce tuto. Je regarderai le tuto pour le changement de pile suicide. Tout du moins par curiosité. Waouh. Rapport mensuel Norton Antivirus qui s'est ouvert devant moi. Alors, bah tiens, on va faire quelque chose. Choisissez deux persos et je les joue. Allez, on le fait comme ça. Comme ça, au moins, ce sera plus simple. Du coup, ce que je vais faire, le temps que vous choisissez, je vais peut-être faire reset. Voilà, ouais. On va faire reset de jeu. Voilà. Ça, on va pouvoir laisser l'intro. Allez, choisissez deux persos, les deux premiers qui arrivent. Je les joue. Comme là, on est en mode détente, il reste 10 minutes.
Parce qu'à la base, j'avais prévu de jouer plus longtemps à Quix. Mais quand j'ai vite compris que ça allait être l'enfer pour moi. Cyclope Magneto. Waouh. Deux persos que j'ai pas joué. Bon. Bon, allez, je coupe la poire en deux. J'en prends un de Kaikun et un de Dash Speed. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Magneto, je sais pas jouer. Cyclope, s'il y aurait des chances. Et Camille. Allez. Camille en couleur alternative, histoire de se marrer un peu. Ah, Wolverine, il est pour le coup très sympa à jouer. Il ressemble un peu... c'est un peu similaire. Ok, donc je réfléchis. D'accord, ok. Donc tu peux spammer uniquement en faisant gros points. D'accord. Par contre, lui, il a effectivement le... Waouh, d'accord. Donc en fait, tu peux bourrer comme un goré. Oh putain. J'ai cru que Chun-Li, elle allait jamais redescendre. Donc ok, d'accord. Et là, c'est entière. D'accord. En fait, c'est vraiment pour le coup le perso du troll, ça, Cyclops, hein, dans le jeu. Et je crois que Camille, ouais, effectivement, elle a la... l'espèce de dive kick, mais elle est pas combotable parce qu'elle met au sol, sa dive kick. Ah. J'essaie de voir si on peut faire gros points super, mais... on va essayer avec Cyclops. Voilà, ça... Ah mais Cyclops dans le jeu, je pense honnêtement hein, que ça fait partie des persos les plus balèzes du jeu. Hein. Il est intestable. Je me souviens quand j'avais la version Saturn, le jeu j'avais joué quand même à max. C'est le perso qui me faisait péter les câbles. Quand tu vois, juste en faisant gros point, vous envoyez ce petit projectile là. Et puis l'optique blast, il sort relativement vite. Ah. Ouais, il y a la garde. Même pas? Ah oui, j'avais oublié que dans le sabre, il avait cette... il avait la super avec la chope spéciale, ouais. Il a 3 super d'ailleurs dans le sable dans le jeu, je crois. Ah, de toute façon, c'est un jeu de la dégueulasserie absolue celui-là. Je vous le dis franchement. Hein. Ah, bien vu ce dash avant chop. Non. Donc, moyen pied super, hein. Ça a pas l'air. Du coup, on va faire venir... ça a gratté. Même pas. Allez. En fait, dans l'idée, bon, vous voyez bien que le jeu est sympa. Graphiquement, il est super. Il y a une très bonne bande-son. Qualité graphique, elle est irréprochable. Le problème, c'est un peu le gameplay du jeu. C'est pas le fait qu'il y ait pas beaucoup de persos. C'est le fait que tu cherches dans quoi tu peux mettre la super. J'avoue qu'à part avec Wolverine, où je sais que tu fais moyen point super, et tu peux même bourrer petit moyen et faire petit moyen super. Avec les autres persos, j'ai jamais tellement... Waouh, c'était quoi ça? Il a un dragon? Waouh. Il a même un dragon, Cyclops. Ça veut rien dire. Ouais, effectivement. Ah, ça veut rien dire. D'accord. J'ai hâte de comprendre un truc. Waouh, en faisant quart arrière et point. Vous pouvez faire ce coup du troll. Puis aussi, les supers, elles mettent énormément de temps à s'activer. Ce qui fait que dans l'idée, ça en fait pas vraiment un élément dangereux, en fait. Oh ! D'accord. En fait, les supers dans le jeu, c'est presque des pifs ou des trucs à mettre en anticipation. Donc là, la dive kick est cassée par le... Ouah, par contre, ce Ken du Mokubinisme au Shoryu. Ouais, pas grave, au moins je passe l'autre côté. Ouah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi? C'est une super dans ma gueule. Parce qu'on aurait dit que Camille, elle avait une sorte de contre bizarre à activer. J'ai pas tellement compris.
Je sens que même en ayant pris le meilleur, enfin le perso le plus trollesque du jeu, je vais quand même perdre. C'est Optique 2000 là, non, c'est Optique Blast. C'est vrai qu'il est chiant lui, hein. Il me semble d'ailleurs que celui-là est sorti avant Marvel versus Capcom. Je parais qu'on vous l'avait jamais fait celle-là. En tout cas, moi, j'avais jamais fait cette blague. D'accord. Marvel versus Capcom, putain. J'en suis pas fier de cette blague, hein. J'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va essayer de Chun-Li, tiens. Et puis là, il y a Akuma aussi qui est caché. Juggernaut, Magneto... Allez. Un Wolverine. Je pense... Ouais, je crois que c'est le premier crossover, mais tu avais eu avant X-Men Children of the Atom aussi, sur arcade, sorti aussi sur Saturn, qui lui incluait Cyber Akuma, je crois, dedans. Hein. Ok, donc déjà... Chun-Li, je cherche en fait... D'accord, donc apparemment, elle a pas de bout de Chun-Li dans le jeu. Ou alors... Non, ok, le Kikoken, c'est demi avant. Ok, et Kikosho, demi avant. Et le point. Ok, parce que comme j'ai jamais joué Chun-Li dans le jeu... Donc je vais prendre... Ah. Donc Wolverine, il a un dragon dedans. Et là, le Berserker Barrage... Voilà, m'embrouille pas. C'est ce que je disais, dans le jeu, les super, c'est plus des pifs qu'autre chose. Ou alors, j'ai jamais compris les subtilités du gameplay du jeu. Si quelque part est possible. Ouah, Ryu Cyclops. Ça sent la team sur laquelle je vais mourir en poule. Voilà, donc, vous voyez, le temps d'activation des super. Ouah. J'ai pas être méchant, mais Ken Bogard, ce genre de boule, il appelle ça des pets de fouf quand même. Hein. Marcel versus Capcom, ouais. C'est clair, ça va être un truc de malade pour le coup. Hein. T'imagines, Marcel versus Capcom. Effectivement, hein, le premier. Non, c'est pas celle-là, il y a une autre super qui. C'est pas dragon et. Si, c'est ça. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Tellement longtemps que j'ai pas joué Wolverine aussi, hein. Voilà. Donc en faisant bas moyen point. Petit moyen. Putain, je fais de la merde. Et balayette, en fait, ça peut comboter dans le jeu. Voilà. Marvel Gem aussi, ouais. Du coup, on va reprendre un Wolverine. Et puis, bon, on va prendre un Gookie, tiens. Essayez pas de faire le Shun Goku Sats dans le jeu parce que c'est tellement lent à sortir. J'aime Fighter, on le fera aussi un de ces quatre, hein, parce que j'aime bien ce jeu. J'ai toujours trouvé assez rigolo. Ou alors que ça combote, c'est carrément un target combo. Hein. Voilà, 4 hits, ouais, effectivement. Je me souviens plus comment elle s'appelle, cette super. Elle est présente dans tous les jeux Marvel où il y a Wolverine, de toute façon. Ouah, j'avais la garde pourtant. Ouais, donc dans le jeu, en fait, le dragon en entière, c'est pas tant de bonnes choses que ça, parce que, ben, vous pouvez avoir la garde en l'air dès l'instant où vous frappez pas. Voilà, c'est ce que je viens de vous le montrer. Un peu comme dans First Strike, sauf dans First Strike, t'avais aussi le système de pari. Qui, pour le coup... Ah oui, c'est vrai, il a aussi ça... Gookie dans le jeu. Ouah, ça a comboté, tu vas me dire ça? C'est arnaque! Avec deux persos du schnapp, j'ai terminé le jeu, et là, deuxième... enfin, j'aime Fighter, effectivement, pour débuter le... Enfin, pour débuter.
Même à la limite, quand tu sais jouer un peu, enfin, en tout cas mieux que moi. Il est vrai que c'est un jeu de baston, c'est sympa. On va essayer Gambit. Et puis une rillette, allez. Et puis après, je pense que ça va être l'heure d'envoyer la pub. Ah, j'ai mis pause sans faire gaffe. C'est bien de pouvoir mettre pause sur un bouton. Come on, mon ami. Ok, donc il a aussi ça en l'air. Je découvre un peu le perso, parce que pour le coup, je m'aperçois que j'ai jamais joué. Quoi ? Ouah, j'ai trop joué à Street Fighter 4. J'étais en train de... J'ai eu le réflexe de voir la boule arriver et de faire bas moyen point, bas moyen pied et backdash pour faire une focus. Je vous jure, c'est vrai. C'est là où on voit quand même que... Il y a des jeux auxquels t'as trop joué. J'essaie de voir si le target que j'avais trouvé avec Wolverine tout à l'heure, il fonctionne aussi, mais... Non, j'ai pas l'impression, hein. Je crois que si on fait bas petit pied, bas moyen pied et bas gros point, ça fait un launcher, ouais. Et tu peux continuer le combo dans les airs après, si tu cancelles le saut. Du moins, c'est le peu que j'avais compris du jeu, voilà, c'est ça. Mais j'ai pas réussi à canceller le saut. Faut savoir qu'on peut faire des high jumps dans le jeu en faisant bas haut. Ce qui à la fois est assez stylé, mais quand vous êtes un sac comme moi... Wouah! J'ai rien compris. Et il est français, Gambit, dans le jeu? Parce que là, il vient de dire « See you, mon cher ». Ça veut rien dire. Ouais, ça passe. Bon, on va se refaire un petit match, du coup. Et puis après, on va envoyer la pub pour revenir après vers des jeux. Enfin, surtout un jeu qui est un peu moins connu. En l'occurrence, Dig Dug 2. Et puis on va se faire un jeu de la hype qu'on va jouer jusqu'au bout, à savoir Metal Slug 3. Alors attention, hein, Metal Slug 3, autant le 1 et le 2. Ça va, je gérer. Le 3, le One Credit, j'en suis très loin. Donc on va plus y jouer pour le fun, hein, pas apparemment pour la performance. Après vous, mon cher. Ouais. Mais je me demande si le perso est français ou alors s'ils se sont tapés un délire en lui donnant des voix digitalisées de Frenchy. Je sais pas, ça veut rien dire. Après, si ça se trouve, je suis tellement pas un fan de comics que dans l'idée, si ça se trouve, c'est... Si ça se trouve, Gambit est vraiment français. Hein. Par contre, je suis un peu déçu que dans ce jeu, Gief, il est pas la transformation en méga Gief. Je crois que c'est dans Marvel vs Capcom 2, hein, le méga Gief. Ce qui me fait penser que j'ai la figurine du Zangief. Zangief Black, je vous la montrerai un jour. Wouah! D'accord, ça combote. Il y a des choses des fois dans ce jeu qui veulent pas dire grand chose, hein. Ah, Zangief, effectivement, ouais, il peut faire le pal driver dans les airs. Oh, ça fait mal ça. Je sais plus ce que ça fait d'ailleurs ce... Quand le fléau il clignote en orange. Il a certainement chargé son cosmos.
Gambit est né à Nouvelle-Orléans. D'accord. Ok, ben merci pour cette info. J'aurais au moins appris un truc. Armor Zangief apparaît dans Marvel vs Capcom 1 pour la première fois. Ok, merci. C'est vrai que je me disais c'était un peu dommage qu'il soit pas dans celui-là. Bah écoutez, c'est l'heure des publicités. Et on revient après pour TikTok 2 et puis bah pour se faire Metal Slug 3, je pense, dans son intégralité. Allez, à tout de suite. De retour pour la seconde partie de Arcade Perfect. Alors qu'au moment où une nouvelle pub vient de se relancer,
coup, c'est pas grave. On va prendre le temps déjà de faire correctement. Voilà. De mettre le bon flyer et de faire le setup. Voilà, on est prêt. Donc, on va jouer à Dig Dug 2. Bon, déjà, Dig Dug 2, vous doutez bien que c'est la suite de Dig Dug 1. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Sauf que le jeu se passe sur un plan un peu différent. Au lieu d'avoir une vue dessus, vous avez une vue... Enfin, vous allez voir, voilà. Aujourd'hui, je cherche mes mots. Je suis guaqué d'hier, ces histoires de PC, alors du coup... Alors, voilà. Voilà, j'ai baissé un petit peu le son du jeu. Alors, Dig Dug 2 se joue comment ? Vous pouvez choisir de vous amuser à détruire les îles, comme là je viens de faire. Ou vous pouvez, comme dans Dig Dug 1, gonfler les ennemis jusqu'à temps qu'ils explosent. Hop, un petit champi. Alors j'avoue que la version Famicom de ce jeu étant très proche de l'arcade. Et j'avoue préférer aussi totalement... Oula ! Par contre j'ai fait n'importe quoi là. J'avoue préférer la version Famicom. Le jeu est très sympa par contre. Il est sorti un peu dans cette époque où les contrôles de l'arcade étant très dirigistes. Ce qui fait que des fois vous bourrez la direction et ça va pas vraiment dans le sens où... vous souhaiteriez que ça va. C'est pour ça que c'est parfois assez frustrant ce jeu. Ah zut. Donc vous pouvez vous amuser à faire les tableaux de plusieurs façons différentes. Soit vous amuser à casser l'île. C'est une chose moi que j'aime bien faire. Faut savoir que c'est possible de, dans tous les tableaux, de casser l'île et de tuer tout le monde en même temps. C'est juste que des fois, vous allez devoir amener les ennemis dans un coin. Et c'est juste très chiant. Essayez d'optimiser. C'est, je pense, la seule stratégie viable. Voilà. Par contre, quand vous faites des lignes comme ça, ça oblige, voilà, certains ennemis à faire demi-tour. Donc, du coup, c'est une stratégie assez viable. Voilà. Pour essayer de les guaquer comme ça. Voilà. Je vais vérifier si le live était bien revenu. Comme maintenant j'ai le chat ici. J'essaie d'alléger la charge de mon PC de merde. Alors disons que j'ai normalement, logiquement, un PC de stream plus que convenable. Ce qu'il y a, c'est qu'il est super instable et c'est juste chiant. Donc, je suis obligé de mettre le chat et le module pour les pubs ici. Lock, XSplit et puis le jeu. Configuration un peu chaotique. Oula, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Pour ceux qui, d'ailleurs, qui veulent s'intéresser à ce jeu, je vous conseille la version Famicom qui vaut rien du tout en occasion. Mais c'est violent. Je crois qu'à moins de 5€, vous trouvez, en fait, la version Famicom. Ah zut. As-tu fait aimer Shovel Knight? Je l'ai fait. Je l'ai fait quand c'était sorti, bien sûr. Je l'ai sur PC. J'attends de voir un peu. Ah c'est vrai, j'avais oublié qu'on revenait au tout début. Donc pour répondre à ta question, oui je l'ai fait. Et c'est un très bon jeu. Je sais que Monsieur Sapin run le jeu à l'infini. Il est sorti en Europe ce jeu. Sur NES, non, mais il existe la version US sortie sur NES, justement. Oh là là là. Vous amusez pas à casser deux bouts de l'île en même temps. Parce que là, pour le coup... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont sorti des mini-CD à quelques temps au Japon, qui donnaient ça un peu avec les gachapons, en fait. Et les rares CD qu'il y avait de l'ère Famicom des jeux faits par Namco, eh ben il y avait la bande-son de Dig Dug et de Dig Dug 2. Je possède d'ailleurs les bandes-son, même si c'est toujours 2-3 musiques qui tournent en boucle. Allez, on va tout casser. Voilà. Ça ressemble à un jeu Kamen Rider. Ouais. Bon, ça, quelque part, non, de ta part, John, je suis pas étonné. Hein.
Oui, j'ai fait l'inverse. Et je vous dis franchement, quitte à jouer à une version, jouez à la version Famicom. Parce qu'il y a un petit code pour que vous puissiez continuer là où vous êtes mort. Dans la version arcade, ben, tu remets un crédit pour recommencer au début. Alors, eh merde! Il faut que je lui remette un peu dans le bain, j'ai pas joué au jeu depuis très longtemps. Ok. Je pensais que c'était comme la version Famicom où tu avais le code en fait qui te permettait de revenir là où on est arrêté, mais apparemment c'est pas le cas. Ce qui est un peu dommage. Enfin, on continue un bon 10 minutes là-dessus, je vous rassure. Enfin, jouer toute la soirée à Dig Dug 2, enfin personnellement je le ferais bien. Hein. Mais je vous ai promis du Metal Slug 3. Voilà. D'ailleurs, la semaine prochaine dans le guide du collectionneur, normalement, j'aurai à mes côtés un invité qui est un collectionneur de Neo Geo. Et du coup, on va essayer de faire une petite compilation de jeux sympas qui se jouent à deux. Après, s'il y a des jeux qui se jouent à un joueur, bon... on s'échangera le joystick. Donc c'est là en fait où tu dois casser. Voilà, là en premier. D'ailleurs, je crois qu'ils ont ressorti le jeu sur GBA dans la série Famicom Mini. À moins que c'est uniquement le 1. En tout cas, je sais que le 1 je l'ai, mais il me semble qu'ils ont ressorti le 2 aussi. En tout cas, ça aurait été dommage que le 2 est tellement plus sympa. Voilà. Après, il y a une méthode aussi que je vais essayer de vous montrer. Lui, il faut le mettre au bon endroit. Voilà. Vous pouvez en fait gonfler le monstre et passer totalement à travers, en fait. Faire gaffe parce qu'il se dégonfle très rapidement. Et vous pouvez vous faire avoir avec ça. Mais c'est une méthode qui peut sortir de situations un peu délicates. Voilà. Ça va, j'avais anticipé le pif du dragon. Je collectionne les amiibo, j'en ai 3. Je crois que c'est suffisant. Non, honnêtement, c'est, je l'ai toujours dit, les amiibo, bon, c'est sympa. J'en ai 3, dont un que j'ai eu un peu par hasard. Un que j'ai eu dans le pack Mario Party. Sinon, là, dans l'idée, le seul que j'ai vraiment acheté parce que je le voulais, c'était l'amiibo Megaman. Après, je collectionne pas tellement les figurines. Enfin, je dis ça, j'ai quand même la figurine de Super Sonic de chez First for Figure, qui est une figurine qui... qui est à la fois magnifique, mais qui vaut la peau des fesses. D'ailleurs, on en a parlé hein, cette semaine dans l'émission, des figurines de cette marque. Avec la figurine qui en précommande, la figurine de Nights into Dreams. Qui est magnifique, j'avoue. On va regarder les photos, on va baver dessus. Eh non, non. Parce que là, il y a un truc sympa à faire, je vais essayer de le faire. Voilà. Ce que je voudrais, c'est qu'ils viennent tous. Ah! Là, c'est le drame du mec qui a lu le jeu à l'envers. Putain. J'ai lu ce qu'il fallait faire à l'envers, du coup, ben... je me suis fait guaquer, ben voilà. Enfin!
On va continuer un peu parce que j'ai peur qu'en fait une heure, même avec les pubs comprises, j'ai peur que ça fasse, que ça soit un peu court après, que je sois obligé de piffer un jeu qui reste. Alors, voilà. Effectivement, il devrait sortir un Amiibo Nights, sans déconner. Étant donné qu'il y a Sonic dedans, hey, pour le coup, ça pourrait être un super perso dans Smash Bros, non? En tout cas, ça serait sympa, j'avoue. Mais je crois que dans Sonic All-Star Racing Transform, Knight, le perso, il y est même pas. Hein. Si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, la figurine de Knight dont je vous ai parlé, dont j'ai montré les photos dans l'émission ce mercredi, il faut savoir que ce que je vous ai montré, c'est la version collector. Hein. Donc c'est vraiment la plus belle des deux versions. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un truc dans l'émission mercredi. C'est qu'apparemment, j'ai vu que l'émulation Dreamcast va être bientôt disponible sur le Raspberry 2. Si j'ai vu ça correctement. Donc ça peut être assez stylé. Après, étant donné qu'il y a aussi des persos de Namco comme Pac-Man, dans Smash Bros, pourquoi pas ressusciter le personnage de Dig Dug? Après tout, il a ce qu'il faut, hein. Il pourrait casser des morceaux de terrain, créer des morceaux de terrain et les casser. Le truc pour faire gonfler les ennemis, les faire exploser. Un mercredi, jeudi, oui, effectivement. Merci, Hiro. Il y en a un qui suit, merci. J'ai tellement l'habitude que l'émission, c'est le mercredi que... J'ai même hier fini... Pas... C'était quand? Ouais. Mercredi soir, j'ai même fini par... J'avais une alarme, en fait, pour me dire une journée avant l'émission, donc le mardi, du coup, au moment, c'était encore le mercredi, pour me dire, attention, faut que tu prépares le truc. Du coup, je me suis fait avoir mardi soir, et du coup, maintenant, j'ai modifié l'alarme pour qu'elle passe le jeudi soir. Ah, c'est passé. Mais là on est bon, voilà. Et bon, dans l'idée, si vous avez une Famicom, le jeu... Il est tellement pas coté en loose. Ça fait partie des petits jeux qu'on n'a jamais eu, je pense. Je crois que c'est sorti sur NES uniquement aux États-Unis. Ok. Bon, du coup, là, c'est easy. Oh, merde. C'est bien de dire que c'est facile, mais derrière, faut assurer, hein. Pas grave, on va l'attendre. Ah, là, je leur ai fait un dribble. D'ailleurs, ça rappelle le dernier Arcade Perfect où j'ai gagné la Coupe du Monde avec la France dans Neo Geo Cup 98. Pour ceux qui étaient là. Un France-Brésil en finale, que j'ai gagné 2-0. Pour ceux qui étaient là le jour-là. Ah, au moment où je suis mort, j'ai gagné une vie. Ce qui est très pratique. Hop. Voilà, je crois qu'il reste plus que lui, on est bon. Hop là. Allez, on se fait encore un tableau. Et puis après, on va passer sur Slug. Ouf, c'est passé. Voilà. Allez, du coup, on va passer sur Metal Slug 3. Alors voilà, faut faire comme ça.
Ici, il faut mettre le bon flyer. Voilà. Et on est bon. Enfin, on est bon. Faut que j'enlève le pointeur du mulot. Et on est parti. Combien de niveaux dans Dig Dug 2? Je sais plus, mais il y en a énormément. Je sais que sur la version Famicom, j'étais arrivé jusqu'au niveau 30 ou 40. Je crois que j'ai même une cinquantaine de niveaux. Alors, par contre... Confirmez-moi que vous entendez toujours le son du jeu, comme ça l'est un peu fort. Ah oui, c'est ici. Non, à côté. Ça sert à rien, mais ça fait des points. Il y a beaucoup de choses comme ça dans... Alors, Metal Slug 3 qui clôture la trilogie, le jeu était tellement lourd qu'il a jamais vu le jeu sur Neo CD. C'est sans doute pas faux. Moi, pour moi, le dernier bon Metal Slug, c'est Metal Slug 3. Le 4, j'ai jamais aimé. Le 5, n'en parlons pas. Et après, c'est devenu n'importe quoi. Là, j'ai vu actuellement, ils sont en train d'en faire un sur smartphone. Un Metal Slug sur smartphone, les enfants. Mais ça veut rien dire. Enfin. Comme dirait Jean-Pierre Coff, enfin les enfants, là, alors. Voilà. C'était la minute Jean-Pierre Coff. Mais mon slug préféré restera toujours Metal Slug 1. Pourquoi? Parce que le jeu est tellement agréable. Puis quand tu veux un peu t'initier au genre, il est tellement abordable aussi que... Son prix est pas abordable, c'est clair. Quoique sur MVS, à l'époque, c'était dans les 40€, hein, le jeu. Pas sur Neo Geo AES, on est d'accord. Ouais, le 6 était sorti. Était pas sorti sur MVS, je crois. Sorti sur Atomis Wave. Ouais, c'est vrai que pour Metal Slug 1, la Saturn, elle était obligée d'avoir le Rampack, ouais. C'est clair. Mais de toute façon, il existe maintenant sur PSP la compile Metal Slug Anthology. Une compile que j'ai alors que j'ai plus de PSP. C'est pour vous dire. Sans la PSP, c'est tellement la console, en fait, des compilations de jeux rétro qui tuent. T'as le Gradius Collection, je sais plus comment il s'appelle exactement. T'as le Parodius Collection, le Detana Twinbee de Lux Pack ou un truc comme ça. T'as le Castlevania Symphony of the Night qui est avec Rondo of Blood. C'est... Ah merde, j'ai pris ça, j'aime pas cette arme. Après, quand tu joues en multi, c'est vrai que c'est des jeux qui sont toujours très sympas. Mais moi, j'ai jamais aimé le 4. Hein. Alors, ce boss-là, je l'aime pas. Parce qu'à chaque fois, je me fais baiser. Mais ça va, là, pour l'instant, il a l'air d'être sage. Mais bon, c'est passé. Oh, un petit prisonnier en plus. Ah oui, on a ramassé le singe, c'est vrai. Alors je crois que c'est là le stage qui pour moi est le stage le plus marquant. J'irais presque de toute la série des Metal Slug. Voyons voir si... Voilà. Ça pour moi, c'est Metal Slug ce stage. C'est cette musique. Voilà, ça pour moi c'est Metal Slug. Et là, on voit le mec qui est over enthousiaste sur le jeu qu'il est en train d'y jouer. C'est vrai, pour... Mais c'est certainement le meilleur techniquement, même au niveau des idées et tout. Mais mon Metal Slug du cœur, c'est le 1, quoi. Le chameau de guerre, c'est dans Metal Slug 2, Metal Slug X. Si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est dans le 2. Le chameau qui est d'ailleurs hyper stylé aussi, hein. J'avoue. Technique Megaman du saut vertical pour... Hop. On va attendre. Monsieur le Président, il va appeler deux de ses...
deux agents de la CIA pour nous donner le cloud. Hop. D'ailleurs, je me demande si on fait la partie. Ouais, je vais quand même vous le montrer. On va quand même faire la partie inutile du niveau. Ah non, c'est dans le niveau suivant, je crois. Il y a une partie un peu cachée, mais totalement inutile. Qui peut même vous faire perdre des vies. Ah, le petit ennemi chaser. Là, c'est le seul passage où vous pouvez avancer relativement safe. En bourrant tout ce qui bouge dans le jeu. C'est assez rare pour être signalé. Voilà, faut se débarrasser en premier de ça. Hein. Ouais, j'aurais peut-être dû garder le flame shot quand même. Hein. Ah, zut! Transformé en zombie. Voilà, et du coup, on va essayer d'aller récupérer. Non, on est mort. En tout cas, je vous ai quand même montré le dégueulis du zombie. Qui est la première fois que j'ai joué à ce jeu. J'ai trouvé ça archi stylé. Ah bah si, c'est dans ce stage-là. Hop. Allez, on va vous montrer du coup un passage totalement inutile. Mais qui est assez sympa. Vous allez voir que même les soldats ennemis comptent comme des prisonniers dans ce niveau. Ah ok, je savais pas, en fait il y a certains passages qui étaient apparemment plus faciles quand t'étais transformé en zombie. Ah! Ah zut! Concentre-toi! Ah, j'ai plus de bombes! On va essayer de se débarrasser d'eux avant, hein, parce que là... Voilà. Ah oui, c'est là. Vous avez l'éléphant de guerre. Alors si vous trouvez que le chameau était badass. Ouais, par contre, ouais, il aurait fallu descendre pour récupérer tout ça. Hein. Je sais plus à quoi ils servent les piments. Bah, c'est juste un bonus à la con. Hein. Ok, j'ai le réflexe. Voilà. Ah merde! Du coup, on a fait tout ce passage-là pour rien. Ah oui, j'ai plus de bombes. Donc je peux même pas faire le dégueulis. Donc, on va essayer de se barrer de là au plus vite. Hein. Ah bah oui. Bah du coup on va refaire un petit coup de dégueulis les amis. Voilà. Ouais, vous êtes tellement lent en zombie en fait que... De toute façon, l'éléphant, en fait, vous le reperdez dans le passage avec la glace, alors, quelque part. Ah oui, cette zik aussi. Ouais. Ah oui, ils sont chiants, ouais. Faut se méfier un peu. C'est partie des derniers jeux que j'ai découvert avant que vraiment les salles d'arcade se cassent la gueule. Ah oui. Thank you.
Voilà. Mais on peut arriver là sans crever. Est-ce que devant le boss il y a le. C'est le boss alien. Ah ouais. Voilà. Voilà, antidote. Par contre, j'arrive devant ce boss là en étant un peu à poil. Pas vraiment d'armement. Après Metal Slug, c'est tellement le jeu où t'as envie de bourrer le joystick pour pouvoir tirer plus vite. Mais la cadence de tir maximale, elle est assez simple à définir. Ah voilà, on va bientôt arriver à la deuxième forme du boss. Du moins, j'espère sans crever. Voilà. Ah mais moi, je suis saucé, hein. Ce jeu, c'est... Si tu me demandes ce qui définit l'arcade... Il y a forcément Metal Slug dedans, quoi, c'est... C'est le genre de jeu, même si tu le connais par cœur, tu vas toujours trouver un détail que t'as pas vu dedans, quoi. Fait comme leur DVD sur la manette turbo. J'ai failli crever à cause de... à cause de cette phrase. Mais laissez leur DVD tranquille, ils jouent avec la manette turbo s'il veut. Et j'irais même quand bien même. C'est pas parce qu'ils jouent avec une manette turbo que je suis capable de le battre leur DVD. Hein. Moi je suis un sac, je suis un lotière à Street Fighter. Hein. Et dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Mais bon, on l'a eu. le babar de guerre, ouais. Ouais, c'est vrai que les boss, plus t'avances vers la... dans la chronologie de la série, plus les boss ils sont badass, quoi. Quand tu vois le boss final du premier, c'est juste Saddam Hussein dans son hélicoptère, quoi. C'est vrai, dans l'idée. Par contre, c'est là où ça va être le drame, parce que je me souviens plus tellement, en fait, du jeu. Autant les deux premiers niveaux, ça allait, hein, mais... Je me souviens que le passage que je préférais prendre était celui-là, mais... Voilà, des munitions. Non, effectivement, personne n'est lotière dans la vie, et moi je suis lotière quand il s'agit de réparer une Neo Geo. Tu demandes de réparer une Game Boy dont l'écran est à moitié mort, bon, je peux gérer. Et la Neo Geo, c'est au-dessus de mes forces. Donc pour ça, oui, je suis un lotière en réparation de Neo. Oula, oui, j'avais oublié ça, j'avais oublié ce pattern. Ça sent le pattern ici, ouais. Voilà. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un flipper de combat. Je suis mort à cause de cette expression. Et c'est pas une excuse de sac. Mais t'es dit c'est safe, je vais pouvoir lire le chat. C'est vrai, ils auraient totalement pu. Et le pire, c'est qu'ils auraient pu le faire, ils auraient pu le rendre badass. Regarde, l'éléphant de guerre, il était stylé. Ah ouais. Voilà. Plus c'est un jeu qui est sympa, Metal Slug, dans le sens où... Dès l'instant où tu veux y jouer un peu sérieux,
tu viens, t'es pas obligé de regarder des vidéos de Super Play quoi que ce soit. Tu peux toi-même en fait t'amuser à comprendre en fait comment trouver des stratégies, comment y aller à peu près safe. C'est ça moi que j'aime bien en fait dans cette série de jeux. Par contre, je suis avancé un peu trop loin. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'aime l'arcade. Hein. Pour ceux qui étaient là quand on avait fait Toki sur arcade, vous avez pu voir que j'avais quand même été relativement loin dans le jeu. Je crois même c'est pas relativement loin, on avait été jusqu'au dernier niveau. In the Hunt aussi, ouais, très bon jeu. Très bon jeu, In the Hunt. Ils l'ont sorti sur Saturn, je crois, In the Hunt, non? À moins que je me trompe. Uniquement au Ponja, bien sûr. Hein, mais... Ah, zut! Ils avaient plus de bombes. C'est clair qu'ils auraient pu le rendre badass, le dauphin. Non, on est d'accord là-dessus. Ah, zut. Ouais, effectivement. Ah, je sais pas s'il est bien émulé, In the Hunt, pour le coup. Sur même. En même temps, j'ai vu que Mushime-sama était émulé correctement sur même. Après, il faut un PC... de fou mental, mais... Même Death Smile, j'ai vu qu'apparemment, il était émulé. Ah oui, c'est les... Alors là... Là, ce genre de... Ce genre de petit méca... ferait bien plaisir à notre moustachu de chez Gaming Live. Ah oui, c'est vrai, il a le jetpack, lui, j'avais oublié. Death Smiles Hiram, d'accord, ok. J'avoue, j'ai jamais essayé en émulation, hein, Death Smiles. Lui, il avait pas un truc, ouais. S'il avait ça, il fallait se casser un moment, je crois. Voilà, c'est là. Ah ouais. Et à un moment, il fallait sauter et c'était là. Effectivement. Ce fut trop beau. Voilà, là il y a le passage du missile. Voilà. On revient. Vite. Ah, ça va. J'ai sauté à temps. Nickel. Dieu moustachu Ashton, ouais. Enfin, quoique, avoir démoli un méca comme ça en deux, je suis pas sûr qu'il soit... Je suis pas sûr qu'il soit content, le père Ashton. Lui envoyez pas la photo. Ah bah, il est aussi dedans, le chameau de guerre, bah oui. Avec la musique, eh. Ça, c'est de la musique qui défonce. Bah, le jeu, je le connais quand même relativement par cœur, hein, j'avoue. Peut-être moins bien que le 1 et le X, que j'ai... Enfin, d'ailleurs, le 3, je crois que c'est le premier jeu que j'ai acheté quand j'ai eu mon slot MVS. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un... Bon, c'était un bootleg. C'était pas un full kit, hein, il y avait juste la cartouche MVS.
Il était dispo par là de chez moi, je crois, dans les 40 euros. 30 ou 40 euros, je sais plus. Non, lui, il était à 30, c'était Windjammers qui était à 40. D'ailleurs, on parlera hein, des slots consolisés MVS jeudi prochain. En toute logique. Faut que je recontacte justement mon invité. Peut-être ce soir j'aurai pas le temps parce que j'ai un pote qui passe et je pense qu'après on fera peut-être de la chaîne perso. Histoire de se marrer un petit peu. Pas de l'arcade hein, des trucs hein, par contre. Bon app Kaikun, à bientôt, des bisous. Ah par contre, Kaikun il part du chat, il part manger et je suis déstabilisé. Ah zut. Ouais, enfin un chameau dromadaire, enfin vous avez compris quoi. Même à la main si vous voulez, c'est pas le problème. Le problème c'est que je fais n'importe quoi là. Donc ça va, la pub c'est pour bientôt, donc ça va me permettre de reprendre mes esprits. D'ailleurs pour la petite info, il est totalement possible. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça sur internet, j'ai jamais essayé, hein, de mettre un bouton pause sur un slot MVS et de coup de pouvoir mettre des pauses tranquilles. Par contre là je me souviens plus le passage que je préférais aller. Bon on va essayer d'aller en haut, on verra bien. Hein. Ouais je crois que c'est le passage que j'aime pas. Tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu aussi. Et ça reste toujours un réel plaisir. Ah oui, il y avait aussi ces histoires de Big. Disons qu'à la base aujourd'hui, au lieu de faire ça, je voulais vous proposer le Moonwalker, Michael Jackson Moonwalker en arcade. Et quand j'ai regardé la liste des jeux potentiels, et j'ai vu ça. Ouais, ça je m'en doutais. Ça c'est un classique chez moi. Je m'étais dit que je serais totalement débile de faire du Moonwalker alors qu'il y a un Metal Slug 3 qui attendait que d'être joué. Hop. Je crois qu'on peut sauter dessus direct, oui. Là, excusez-moi, hein, je peux pas trop lire le chat, surtout j'essaie de me concentrer parce que je me souviens plus du tout. Ah oui, c'est vrai, ouais, faut ouvrir ça. Voilà. Ce jeu, c'est comme Mario, faut tuer les plantes carnivores. C'est pas faux, je me souviens plus du tout, on va là à droite du coup. Hein. Ouah, mais c'est comme dans Metal Slug X, ça, en fait. Parce que je crois que le passage que je prends d'habitude... Il fallait prendre en bas tout à l'heure et j'ai pris en haut. Du coup là j'essaie un peu de... D'y aller un peu YOLO. Enfin c'est le YOLO prudent quoi. Oula. Wouah c'est quoi ça? Oh c'est hostile. Casse-toi monsieur Chou, vite. Vite. Barre-toi. Bon là ça va, on est safe. Enfin, safe, on est sûr de rien. Ah, j'ai plus de bombes. C'est bon, c'est passé. C'est Joe le chameau. J'avais pas pensé à ça. Joe le chameau qui fait une apparition dans Metal Slug. Ouais. Un caméo. Pour un chameau, avouez que c'est un beau nom. Un chaméo. Allez, du coup, on va faire une petite pause de 5 minutes.
Ça, j'ai avoir le temps de reprendre mes esprits et puis d'essayer de me reconcentrer, parce que là, ces quelques dernières minutes, ça n'a pas été très bien en termes de gameplay. Enfin, à tout de suite! De retour pour cette dernière partie d'Arcade Perfect, et c'est magnifique à chaque fois qu'il n'y a pas de pub sur mon écran de contrôle pendant 20 secondes, je relance le stream, et au moment où je relance, il y a une pub. Enfin!
Mais comme il y a 30 secondes de délai, je me dis que vous devriez plus avoir de pub au moment où je prononce cette phrase. Apparemment, ça a l'air d'être le cas. Ah, salut la petite pelle. Oula. Bon, c'est bien de lire le chat, mais attendez. Faut que je fasse quelque chose, sinon... Excusez-moi, hein, là, je dois attendre. S'il y a encore une pub... Hop. Voilà. Il fallait que je mette en pause le player, parce que si je mets pas en pause le player, après, c'est l'enfer, quoi. Je vais dropper des frames. Voilà, tandis que là, on est bon. Oh non, il y a encore une pub qui s'est relancée, c'est pas vrai ça. Je suis Mozi. Il y a pas quelqu'un qui s'amuse à balancer des pubs quand même, parce que ça fait là, ça fait plus de 5 minutes. Enfin. Il y a pas quelque chose ici. Si. Attendez. Je suis obligé de mettre en pause le player. Sinon, ça va dropper des frames à l'infini. Ah oui, c'est le fameux passage où il faut récupérer des piles. Pour les mettre dans le truc, oui. La mémoire me revient maintenant. Des Duracell. Allez, il y en manque encore une, je crois, ouais. Ouais, faire gaffe au sport, j'ai pas envie de me faire avoir. Voilà. Wouah ! Ah, je me suis fait grignoter comme ça. Ah oui, il y a Koh-Lanta ce soir. On va peut-être regarder ça avec Nounours quand il va arriver, il va se marrer. D'habitude, quand Nounours y vient, c'est soirée Mario Kart 8. Ah bah oui! On n'a pas encore joué, je peux encore jouer au 200cc de Mario Kart 8. Ah bah oui! Connaissant Nounours, il va forcément me chambouler pour qu'on y joue. Ça, c'est... Du coup, peut-être faire la chaîne perso là-dessus après. Vous verrez. Ah ouais, ça, c'est le boss que j'aime pas. Lui, je l'aime pas. Je crois qu'il faut attendre deux fois, et la troisième fois, voilà, il faut tracer. 1, 2, et là on trace, voilà. Un, deux, et on trace. 1, 2, et on trace, voilà. Ça fait quand même 4 ans que j'ai pas joué au jeu. Hein. Ah, par contre, ouais, c'est au moment où je dis ça. Ah et moi Mario Kart 8 j'aime pas tellement, c'est pour ça que... pour ça que j'ai l'air aussi enthousiaste que... A la limite tiens, j'ai proposé à Nounours de jouer à Mario Kart Double Dash. Voilà, quitte à jouer à un bon Mario Kart. J'ai lui proposé ça quand il va arriver. C'est quelqu'un au grand cœur, tant que je le force pas à jouer à Clay Fighter, je sais que tout se passera bien. Oui, vous inquiétez pas, hein, si jamais... Parce que là, j'ai pas encore mangé. Nounours, il arrive après 21h, après que j'ai rendu l'antenne. Justement, après, vous retrouverez Lunatic pour un détendu. Si j'ai bien lu le planning pendant les pubs, je pense que c'est ça. J'avais vu tout à l'heure sur Twitter. Ah là 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 là. Faut que je me reconcentre, hein, ça va pas. En plus, ce boss, il est long. Mais vous inquiétez pas, hein, je vous préviendrai sur Twitter au moins 20-25 minutes avant le début du live. Mais c'est pas dit que je stream ce soir. Hein.
Voilà. Ah, salut Sharpé de Power, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Je profite. Lunatique me dit que je peux déborder un peu si je veux. Attendez, je vérifie. Je vérifie quelque chose. Voilà. Attendez, on est presque prêt. Voilà, on va le faire comme ça. Ah, du 200cc dans double dash, ça serait bien. Je vais recevoir un message Skype, je voudrais m'assurer que j'ai bien lu avant de faire des bêtises. Quoi qu'il en soit, après moi, vous retrouverez Lunatique pour un détendu. Je sais pas d'ailleurs à quoi il va jouer ce soir. Apparemment, ce soir, je crois qu'il est chez Mr. Timoth. Enfin, en tout cas, ça live depuis chez Mr. Timoth. Ouh là 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 là, ça se voit que c'est la guerre, hein. Ouais. Ouais, c'est la guerre ici. Ouah, les bombes, elles sont stylées. Donc, dès l'instant où vous changez d'environnement dans Metal Slug, les grenades changent toujours en fait de forme. Ah oui, c'est le passage où on peut, ouais. Ouais. Où on peut marcher en courant, ça c'est stylé. Voilà. Ah oui, les cochons. Ah, les carottes, je préfère quand même. Moi qui suis végétarien. Je me fais beaucoup troller d'ailleurs avec le fait que je sois végétarien. Mais ça m'amuse, hein, je vous avoue. C'est comme quand on vient me troller pour dire que je suis le sosie de Coluche, vous voyez, maintenant ça me fait plus rien. Ou à quoi que ça m'a jamais rien fait, ça. Ça m'a toujours bien fait marrer, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que... Ouf. Ah, Xenoverse te prend tout ton temps. J'imagine bien, j'imagine bien. On sent qu'on s'approche de la fin du jeu. Hein. Non, désolé, je viens de voir un message. Ah, ouais. Des bisous GE2 d'ailleurs si tu me regardes ton message là. Bah. Il vient de me faire perdre une vie, mais ça m'a tellement fait rire. Ah bah c'est bon, j'ai récupéré les bombes. Ouais, dans le doute, je vais faire ça, je crois. En tout cas, je pense pas qu'on verra la fin du jeu aujourd'hui, hein. C'est bon. D'ailleurs, je crois que le jeu maintenant, ils ont fait une version Steam il y a pas longtemps, hein, Metal Slug 3. Hein. Si ma mémoire est bonne. Bon, quelque part, c'est un peu culotté de faire une version Steam d'un jeu qui est téléchargeable en deux clics sur Home Station. Sans avoir autre chose à configurer que les boutons. C'est un peu culotté, j'avoue. Voilà, là. Je sens que je vais me faire avoir. Non, c'est bon. Dis-nous ce que GE2 a dit. Non, c'est privé. Mais c'est marrant. J'avoue que ça m'a fait marrer.
En tout cas, d'ailleurs, maintenant, le samedi soir, tous les samedis, quand je le pourrai, je ferai des rediffusions de l'émission Le Guide du Collectionneur. Bon, les rediffusions d'Arcade Perfect, étant donné que c'est mis à la frame sur YouTube, c'est peut-être pas nécessaire. Ah tiens, lui on l'avait pas vu dans Metal Slug 2, hein. Hop, on va mettre un petit crédit. Ah, est-ce qu'il... Ah ok, je me demandais s'il disait le See You in Hell, mais apparemment il le dit aussi dans celui-là. C'est partie des personnages un peu emblématiques dans la série. Alors attendez, hop, voilà. Désolé, mais je voyais plus ce qui se passait. Sur le chat, je pouvais plus lire le chat depuis quelques secondes. Wouah, Saddam est de retour. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'allais même faire un spoiler. Mais plutôt une pièce de 10 balles. Ah zut, j'étais un peu trop loin. Là, je me souviens encore comment elle se détruit. Ah zut. Ah, les bonnes vieilles pièces de 10 balles, ouais. J'avoue. Bah, à la base, quand je voulais lancer ce concept d'arcade perfect sur ma chaîne perso, je voulais appeler cette émission pour 10 balles, t'as plus rien. Mais. Et t'es dit, pour celui qui a pas connu les pièces de 10 francs, ça aurait pas eu une signification particulière. Et puis, ça m'a. J'aurais galéré à faire un logo, je pense. Qui soit un peu représentatif du truc. Donc, oui, voilà, je voulais pas spoiler que Saddam allait se retrouver en caleçon. Nounours qui dit j'ai l'air relativement chaud. Si tu voyais les litres de sueur qu'il y a sous mes bras, ouais. Ah, puis Metal Slug, c'est tellement un jeu qui m'ambiance que. D'ailleurs, si c'est le vrai Nounours, on aurait totalement pu le faire en coop, le jeu. Mais bon, comme là j'avais le créneau sur la TV3, bah tant pis. Hein. On refera un Metal Slug en coop un jour si ça te branche. Ah, la phase de la fusée. Avec la musique aussi qui défonce. Donc là, faut que je fasse gaffe, c'est pas un passage dont je me souviens. Ouais, la référence du vieux, bah oui. Et en plus, je sais plus qui m'a... Dans mon entourage m'a fait remarquer que de toutes les émissions que je fais sur Gaming Live, que ce soit en chaîne perso ou sur la TV3, c'est la seule, en fait, où il y a un nom à consonance anglophone. Mais bon, faut dire aussi que le terme arcade perfect, depuis l'époque e-live, c'est tellement ancré dans mon cerveau. Et c'est bien aussi de pouvoir ressortir les... Oula. Ouah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait bail le bouton de saut par hasard, par erreur plutôt, et ben... Ouais, prendre le shotgun, c'est mieux. Le shotgun. Ah zut.
Ah, Metal Slug 3, c'est totalement le plus épique de la série, c'est clair et net. Quand tu termines Saddam et que tu te retrouves dans l'espace à buter de l'alien, la dimension épique prend tout son sens. Tiens, d'ailleurs, salut Julien Lepers. C'est vrai que ça faisait un bail qu'on je t'avais point vu. Je crois que je sais pas si on aura le temps de terminer le jeu aujourd'hui. Hein. J'ai pas l'impression, mais tant pis. Ah zut. 10e continue hein, déjà. Si j'ai bien compté. Ah ouais, par contre, ouais. Il risque d'en avoir encore d'autres hein, si je continue à jouer comme ça. Hop, prends le lance-roquette. Ah non, il y en a un deuxième. Ah bah ça brûle les crédits là, c'est fin de journée. Et en plus je lis le chat en même temps. On n'a pas les mêmes horaires, mais on a les mêmes valeurs. Bien, belle phrase. Belle phrase que je vais noter dans un coin. Allez, un crédit de plus, hein, de toute façon, pour maintenant un de plus soin de moi. Puis, de toute façon, c'est tellement la fin du jeu, c'est tellement les passages les plus durs que... Voilà. Respecte Pac-Man 2, s'il te plaît. Non, non, je respecte pas le jeu. Par contre, là, on est d'accord, hein, je ne me souviens plus du tout les patterns. Ça fait déjà 2-3 minutes, je suis en freestyle total. Ok, donc là, c'est le passage où on rentre dans le truc. En tout cas, on va continuer 2-3 minutes et après, on va rendre l'antenne pour Lunatique. Et un détendu. Ah, la musique. En fait, ce jeu, moi, dans le rapport que j'ai dans la série des Metal Slug, c'est un peu le même rapport que j'ai avec Gradius 1. Quand j'arrive, en fait, au stage... je crois que c'est le stage 4, en fait, où la musique, elle est un peu inversée par rapport au thème du stage 1. Je rentre totalement dans le jeu, et... je sais d'avance, en fait, si je vais faire un run acceptable ou pas. Gradius 1, qui est d'ailleurs un shoot 'em up que je vous invite... Dans sa version NES, il est peut-être un peu plus abordable. On le fera un jour de Arcade Perfect hein, pour voir la différence entre la version arcade et la version NES. La version NES, elle est totalement jouable. La meilleure version étant la version PC Engine de Gradius, où il y a un niveau en plus, si ma mémoire est bonne. Ah, les voix digitalisées aussi jouent pour beaucoup au fait. Du fait que le jeu est devenu aussi culte. Mais il n'y a pas que ça, hein, Metal Slug, c'est déjà un caractère design irréprochable, un jeu vraiment excellent, des musiques d'enfer. C'est un peu tout, pour moi, c'est un peu ce qu'on a fait de mieux en pixel art en fait. Hein. À cette époque en tout cas. En termes de profondeur aussi, pour un jeu dans cette catégorie. Faut quand même avouer que les trois premiers, en tout cas. Après, les autres, le 4 est pas mal, mais il est un peu discutable. Je crois que c'est le 4 qui introduit la glissade. Genre, dans Megaman, j'aime pas quand il y a ces histoires de glissade. Alors, dans un Metal Slug, vous vous doutez bien. Après, Gradius 2, c'est une suite à Gradius. Je vais pas dire qu'il est mieux ou pas, c'est une suite. Le 3 est excellent d'ailleurs de Gradius. Le 2, je l'ai jamais fait. Autant le 1, je l'ai retourné bonne centaine de fois. Le 3, je suis encore loin du One Credit hein, dans la version Super NES. Les Parodius, par contre, je les ai tous faits. Hein. Sauf Sexy Parodius que j'aime pas et que par définition, j'ai pas fait en un crédit. Mais Gradius 1, c'est la base. Si vous cherchez un jeu pour vous initier au shoot'em up, pour moi c'est Gradius 1. Après il y a peut-être les Parodius ou l'aspect un peu délirant du jeu.
peut vous aider à rentrer dans le trip. Enfin, sur cette vie bêtement perdue, je vais rendre l'antenne pour Lunatique. D'ici là, on se retrouve certainement demain pour des rediffs. Et puis aussi pour faire de la chaîne perso, peut-être tout à l'heure avec Nounours. On va voir si s'il est motivé. D'ici là, eh ben, des bisous et à très bientôt. Avant de quitter, Nemesis, c'est absolument pas le... Si, c'est le Nemesis, c'est le nom de Gradius, je crois, sur Game Boy. Enfin, si ma mémoire est bonne. Après, j'ai pas une connaissance infinie des shoot'em up. Allez, sur ce, je me sauve. Des bisous, bonne soirée, et puis bah, à très bientôt. Salut, salut.